Atomique Diplomatie. Voilà un titre très programmatique qui nous emmène dans les arcanes de la diplomatie du pétrodollar et de l'atome. Et en relisant les paroles, je vous avoue que j'ai eu un petit sourire en retrouvant cette ligne d'effloration à coups de baril. Très fin. À l'époque, existait une émission de télévision qui s'appelait Une dose de métal. Elle était présentée par Steph Burrier, le chanteur de Loudblast, dont je suis un immense fan. Et qu'elle ne fut pas ma joie lorsque ce dernier nous invita. À l'époque, les émissions étaient conçues de la façon suivante. Les actualités de la semaine, un invité international, et puis le petit groupe français à découvrir. Le petit groupe français de cette semaine, c'était Mabor. Et l'international de la même semaine, c'était Alter Bridge. On a eu un contact formidable à la fois avec Stéphane et avec Alter Bridge, qui se sont avérés être des gens charmants. Et d'ailleurs, qui nous avait le soir même invités au Zénith à assister à leur concert. Alors, le titre que nous avions choisi de jouer en live dans l'émission, c'était justement Atomic Diplomacy. Alors, autant vous dire que ce n'était pas un choix si évident que ça, parce que si vous écoutez bien le titre, il a un groove très particulier qui n'est pas si facile que ça à maîtriser. Ma foi, on s'en était pas trop mal sorti. L'objectif de création de Malmor, c'était le fait de pouvoir y mêler toutes mes influences de musicien afin de créer un univers musical qui me ressemble. Mais là où dans les deux albums suivants, le mélange est harmonieux et je pense plus discret, sur ce premier album, on voit quand même assez nettement les diverses facettes. Et un des cas vraiment criant de ça, c'est le titre Jamais, qui est vraiment pour le coup du blues rock. J'avoue y avoir placé de manière assez inconsciente d'ailleurs le riff de Lagrange quasiment. Écoutez, après tout, l'histoire du blues est faite de ça, hein. Des standards repris pour créer des nouveaux standards. Voilà la façon dont je vais m'en tirer. Alors lorsque se présente un instrumental comme Diamond, on s'aperçoit qu'ici on est sur un mid-tempo et que donc on peut davantage raconter. J'avais saisi l'occasion pour choisir le cadre d'une histoire qui se déroulait au Chili, à Santiago, durant la dictature de Pinochet, dont on trouve d'ailleurs un fragment de discours dans cette chanson. Finalement, on comprend au fil de la chanson que le narrateur a aimé une jeune femme qui, à l'époque, ayant résisté, a été arrêtée du jour au lendemain, a disparu, comme
tant de personnes à cette époque-là. Et 20 ans plus tard, n'ayant jamais consolé ce chagrin et traînant son ennui dans les endroits louches, il finit par retrouver dans un bar cette femme qu'il a aimée, qui n'a pas changé, qui est restée la même. Alors est-il dans un état éthylique qui explique cette distorsion du temps? Où est-on en train de verser dans le fantastique? Je pense que c'est tout l'intérêt de cette histoire et de cette chanson. Pour ne rien louper aux nombreuses prochaines vidéos, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube de Malmort. Allez, ciao les enfants.